Bonjour. Oh, bonjour. Alors, dites-moi pourquoi on vous choisirait en tant que porte-parole des Gilets jaunes. Oh, rage, oh, désespoir, oh, gilet trop jauni. N'ai-je donc tant vécu que pour cette Macronie? C'est pourquoi, contre elle, je me veux porte-parole pour jeter de l'espoir et un peu de vitriol. Oui, très bien. Et quelles seront vos priorités en tant que porte-parole? Que l'essence plonge enfin, que le diesel s'enterre sans que jamais ne soit réélu Jupiter. Ah non, 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 non. Beaucoup trop de drames dans le style. On vous rappellera. Hein. Salut mes petites beautés. Alors, vous cherchez un porte-parole d'Arca? D'Arc quoi? D'Arca, ma chérie. On va se foutre de ces bordels. Je vous l'annonce tout de suite. En plus des gilets jaunes, on va se foutre des nouilles dans le slip. Ça va être la folie. Ah non, 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 non. Merci, monsieur Hanouna. Ça ira, merci. Alors, dites-moi, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Gilles. Ah ouais, très drôle. Vous voulez venir avec... Avec John, pour faire Gilles et John. Gilles et John. Excellente. Merci, excellente. Ouais, je l'ai trouvé sur Internet. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous proposez en tant que porte-parole du groupe? Eh ben voilà, en fait, on va faire une alliance avec les bonnets rouges. Et comme ça, on sera habillés pour l'hiver, si tu vois ce que je veux dire. Super, oui. Je vous proposerai pour Camping 4, alors. Hein. Ouais. Sinon, mes petites beautés, je vous propose de rebaptiser les Gilets jaunes en les appelant les Babas jaunes. Ça claque comme nom. Non, monsieur Hanouna, j'ai dit non, ça va. Allez, hop, au suivant. Ah ouais, donc là, vous êtes carrément venu à deux, ouais. Là. Ouais, alors là, je suis venu avec mon camarade. Ouais. Je propose qu'on soit des porte-paroles musicaux, en fait. Ouais, on est les gilets jaunes de Rochefort. Nous fumons tous les deux, choqués par le prix de l'essence. Quant à l'écologie, ça, on s'en balance. C'est vrai que c'est facile d'être un ours polaire. Ils ne devront jamais faire le plein d'une Chrysler. Bon, j'en peux plus, là. Allez, un dernier candidat. Alors, je vous préviens, on recherche un porte-parole simple, sobre, capable de rassembler et d'unir tous les courants des gilets jaunes. Oui, hein. Oui, ouais, non, je vois l'idée, mais je la sens pas.